les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, content de vous retrouver pour une nouvelle recette ou astuce, je sais pas. Je vous présente comment je fais ma poudre de curcuma. Et puis ici, c'est la poudre de paprika. Ok, donc pour en savoir plus, on y va. Ici, pour mon paprika, j'aurai besoin des poivrons rouges. Et là, pour mon curcuma, j'aurai besoin des curcuma. Voilà, je vais nettoyer tout ça, là, puis les découper. Viens, les découper en différents petits morceaux. Maman. Après avoir bien découpé le curcuma, j'ai pas retiré la peau. Tout ça là, ce sont les vitamines. Là, je vais venir les disposer ici. Je vais les sécher au déshydrateur. Voilà, je vais la disposer ici. Ça, c'est le curcuma. Curcuma, poivron, poivron. Et je vais laisser ça déshydrater pendant toute la nuit. Peut-être 2h, 3h, ça va dépendre du temps que ça va. Là, après d'avoir laissé sécher tout le temps, j'espère que c'est très sec. Vous voyez, c'est sec. C'est sec, tout est sec. Hein? Je vais les retirer et puis les mixer ensuite. Là, voici le curcuma et puis le paprika ici, poivron rouge. Là, on va mixer. Je vais commencer par mixer d'abord mon paprika, mon poivron rouge. Je vais renverser ça ici. Si ça, je vais mixer. Belle poudre et que pardon, paprika bien lisse là. Voilà. J'avais une ancienne poudre ici de paprika, je vais rajouter dessus. C'est-à-dire, comment je gagne pour avoir comme ça en grande quantité, j'achète avec le temps. Quand c'est légèrement touché là, ils font ça moins cher. Ça, je vais réserver ça. Ah, c'est le curcuma. Là, je vous présente, elle est très 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 lisse et puis très jaune. Je vous parle pas, je vous dis pas l'odeur. L'odeur, ça sent tellement bon quand c'est fait maison.
Alors, vu que je ne suis plus en affiliation avec Amazon, je ne pourrai pas mettre de lien. Je ne pourrai pas mettre de lien qui va vous permettre d'accéder directement aux différents produits que j'utilise. Là, vous allez taper des hydrateurs. Vous allez taper les... En tout cas, je ne sais pas ce que vous recherchez. Un sticker, bocal, tout ça, machine à moudre de café. Parmi les propositions qu'ils vont vous donner, vous allez choisir ce qui vous arrange. Ok les amis, voici les résultats de mes poudres. Les différentes poudres paprika et curcuma. Donc si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner puis de partager. Possible aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir des alertes lorsque je mets en ligne de nouvelles recettes. Voici. Ça sent tellement bon, je vous dis. Je vous dis, ça sent tellement bon. On se dira bye bye.